nous comme un gouvernement, des visions qui nous aident, pour évidemment, par le petit bout qui bizarre, gagner par le soin, nous adopter une politique, nous, pour nous dire, nous sommes capables de donner autant de soins possible. Ça veut dire que dans une institution, dans l'hôpital, nous sommes capables de faire un petit bout, pour capable traiter les différentes qualités de maladies, nous sommes capables d'avoir l'équipement nécessaire. Et bien, l'équipement qu'on vous connaît avec les temps, ça aussi, il est amélioré, il est plus performant. Et après, il y a des affaires qui sont très importantes, c'est que nous pouvons faire dans nos outils. Il faut dire qu'il nous amène service le plus près possible pour les habitants. Parce qu'il vous déjà connaît, si on reste ici, si l'hôpital que nous faisons aller est loin, mais déjà, il pose une certaine difficulté. Ah, mais bien qu'il n'est pas capable d'aller, mais mieux vaut qu'il gagne un service le plus rapproché possible pour tout la base. C'est pourquoi on est bien content qu'ils ont dit qu'ils ont fait pause pour les pierres, pour sa centre de santé communautaire. Ici à Saint-François-Jean. Ça fait un très grand plaisir aujourd'hui pour accueillir Jules, pour danser, pour cause première pierre, le nouveau dispensaire d'Encore. Encore, c'est un grand plaisir encore pour moi pour accueillir le Premier ministre, le Pravin Jagannath, pour cause première pierre, sa projet là et sa présence parmi nous aujourd'hui. Avant de continuer, nous remercions aussi Mme l'officier du ministère de la Santé qui vient convenir pour faire sa projet-là de l'insecte aujourd'hui. Pour mes camarades, ça dispensaire-là, nous comme ça depuis très très longtemps. Depuis très jeune, ça dispensaire-là, c'est là, il y a environ 15 ans de cela, parce qu'on a été rapide, je suis fait un dispensaire. Et les larmes que j'ai, il y a la rue Saint-François. La rue Saint-François, puisque le dispensaire là, c'est juste là-bas, mais c'est une place première chère. Et pas si pareil comme un dispensaire, mais pour la facilité qu'il les a. Et de l'autre côté, la rue Saint-François est un vieux du monde, un grand du monde, traverse la rue, les enfants traversent la rue, il y a une rue très visible, et ça, ça pose problème. Pour ben, du monde qui se dans le dispensaire aussi. C'est pourquoi l'État de ministre de la Santé, environ 3 ans ou 4 ans de cela, nous disons qu'il devait refaire sa dispensaire ici, dispensaire qu'on connaît Eastern Suburb. Et nous sommes très contents aujourd'hui qu'il nous l'a aujourd'hui pour cause première vue. Mais quoi est-ce que l'État? Et prenez les temps, c'est normal, avec la situation de Covid, vous connaissez comment il était, c'est la lockdown, c'est une situation, c'est un peu difficile, mais pas capable de suite. Mais ce qui est important pour moi, ça poserait de réaliser aujourd'hui, là, aujourd'hui, dans notre présence, ensemble, nous déposons la première pièce. Au niveau national, là, on dépose l'eau, le personnel, le staff qui travaille dans la santé. 813 nursing staff au niveau national. Puis il y a un double programme depuis l'année dernière. Pour être capable, vous êtes même, ça va être nursing officer, vous êtes un certificat qui appelle un national diploma in nursing. 400 nursing staff additionnels pour suivre pour là bientôt. Malgré Covid, le côté formation, le côté training, il peut continuer. 60 training midwives qui aussi finissent et terminent ce cours. Vous êtes un certificat de basic midwife. Le fait qu'il faut 96 chauffeurs en ambulance. Vous connaissez chauffeurs en ambulance, c'est une chose qui est spécialiste, elle est spécialisée dans le transport médical. Le fait d'une formation 96 chauffeurs en ambulance, qui se finit un first aid course, il y a 42 cours additionnels depuis 20 cours.
Et là, à peu près, en fait, 5 staff qui viennent gagner training dans un speech et hearing therapy. Ça aussi, il disait un training pour un staff qui n'a pas travail dans sa même département. Mon retour à Saint-François-Xavier, ici. Ici, c'est un ancien dispensaire qui s'est fini faire sur les temps. Un dispensaire connaît un groupe, il utilisait un dispensaire, je là-bas, un disant qu'il y a un pansement, je fais un petit blessure, ou bien quand je viens pour renouveler un médicament, je donne dans un dispensaire. Un dispensaire, c'est un rôle d'évoluer. Un dispensaire, il fait pour faire un réseau de travail. Gouvernement, vision premier ministre, ce qui nous donne une santé et donne un service de proximité. Allez là me dire, ben l'hôpital peut donner un service spécialisé. Mais à part ça, nous vous inquiétons qui la venir de la demande. Nous, la population, et nous, une population vieillissante, nous, avons beaucoup de gens qui ont besoin de soins pour que nous investissions dans la case pour qu'on puisse sortir. Nous, nous avons besoin de les outils. Ben, le nouveau dispensaire, nous pouvons appeler à donner un nouveau service. Par exemple, besoin de nouveau près de la famille Dr. Steve. Pour chaque région, il y a un docteur qui dit que tu es là, il connaît une patiente qui résume sa région. Un nouveau service d'un dispensaire pareil, le phénomène d'une affaire appelée Preconception Care. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demain, un couple se décide et un enfant. Avant que madame là, il tombe enceinte, il est capable de venir, il gagne tout un conseil qui lui sert. Il est capable de faire un test, il gagne un conseil, et puis il est là, quand il planifie ce process, ça nous connaît qu'il nous donne une meilleure. Connaît comme les enfants pour les donner dans une meilleure condition. Et ça va être le service que nous pouvons ajouter avec, dans la réunion. Nous connaissons aussi qu'il y a des gens qui ont envie d'arrêter de fumer, par exemple. Mais que tu pourras aller. Je vous dis, la vie avec le travail que nous faisons n'est pas facile pour nous déplacer dans une région pour aller là. Mais un dispensaire pour appeler à donner un service. Si un des gens demain décide d'arrêter de fumer, les connaissances sont disponibles dans ce réseau. Il y a beaucoup de services comme ça qui nous pouvons dans un dispensaire, dans une communauté health center. Parce que c'est un bâtiment sans ce même service-là, il n'y a pas pour vous grand chose. C'est sa vision, gouvernement, vision premier ministre, et quand nous donnons une nouvelle infrastructure, ensemble avec sa nouvelle infrastructure-là, nous aussi donnons un service qui est adapté à la population.